de Pâques, façon autre main. Pourquoi la petite cacherelle? Tiens, ta carame, fruit de la passion. Chauffé. Bas carame, sucre, avec 3 carames pectine, un as napage. Meuse. Un peu bercé quand ça fume. Il faut que ce soit chaud. Mélanger avec le feu. On arrête quand c'est ébouillé. Voilà. On peut arrêter. Voici le mur demi-sphère. Le petit. Doucement. Au congélateur pendant 4 heures. Des moulins, une demi-sphère sur deux. Regardez. Et collé sur le demi-sphère. Voilà. T'as créé le jaune d'œuf. Laissez une nuit au congélateur. Il faut un bol avec l'eau froide. Mettre 3 grammes de gélatine. Réservez. Petit poudre, 90 grammes de chocolat blanc au micro-ondes. C'est fondu. Réservez. Faire bouillir 200 grammes, Attention, il faut la crème liquide entière. 30% ou 35% matière grasse. Panine. C'est bon. Carté. De la casserole avec la crème. Les gousses au périmètre. Plus parfumé. Mélangé avec la maryse. Arrêtez. Enlevez. Gousse de panine. Ajoutez la gélatine et serein. La crème panine. Verser en plusieurs fois sur le chocolat blanc. Deuxième. Troisième fois. Mélanger.
versez 160 grammes de crème froide. Mélangez. Primez au contact. Il faut toucher la crème. Laissez une nuit au frigo. Tortir des ganaches de frigo. On va fouetter. La texture va devenir moucheuse. Une poche à dunes. On va verser la ganache. Voici le moule pour faire des œufs de Pâques. Vous pouvez trouver sur Internet. On va remplir. Pas beaucoup. On coupe. On sort les zones d'œuf de congélateur. On va placer au centre. Regardez. Appuyez un peu. Refermez le moule. Bien fermé. Rempli. Une nuit au congélateur. Il y avait beaucoup de patience. On va faire un biscuit madeleine. Faites fondre 50 grammes de beurre au micro-ondes. On met de côté. Tant bas. Comme sucre. Deux œufs. N'oubliez pas préchauffer le feu à 180 degrés. Ajoutez 25 grammes de lin, 2 grammes de levure chimique et aussi 125 grammes de farine, mais tamisée. Mettre 75 grammes d'huile. Bon feu doux. Une cuillère à soupe vanille liquide.
Mélanger. Délicieux. À fournir 13 minutes. Laissez refroidir. On va découper en disques à l'aide du cercle. C'est 7 mètres de diamètre. Là, on va découper plus petit. 3 cm de diamètre. Au milieu. Tu peux tenir un œuf. On va filmer on va rester jusqu'à demain on va faire un arrobage chocolat bleu faites fondre 175 grammes chocolat bleu 85 grammes beurre de cacao Vous pouvez trouver sur Internet. Au micro-ondes. Voilà, c'est fondu. Attention, tout à l'heure, j'ai essayé 175 grammes de chocolat blanc avec 87 grammes de beurre de cacao. C'était pas suffisant, c'était là. Donc, on peut faire le double. C'est-à-dire 175 grammes fois 2. Chocolat blanc, 85 grammes beurre de cacao fois 2. Je fais le double. Je fais la température. On va laisser descendre jusqu'à 40 degrés. Et après, on peut glacer avec un œuf congelé. Il faut préparer un carton. Une marque à lui, pique à brochette, on va démouler un œuf, pas tous. On va laisser pour que ce soit un peu plus net. Ok. On va glacer. 40 degrés. On va glacer, mais vite, un seul coup. Voilà. On va glacer un autre œuf. Biscuit Madeleine. On a fini. Maintenant, on prend. On fait avec la fourchette de chez moi. Avec le doigt. Tout de chez moi. Facile. Hop. On pose dessus. Voilà. Laissez au frigo pendant 2 heures.
Et après, vous pouvez manger. On va faire les petits nains au chocolat. Le feu ne peut être découpé au congélateur. Il faut que ce soit froid. Faites votre 150 grammes de chocolat au nain, au micro-ondes. Voilà, c'est fondu. Le feu ne passe la douille. Récipient. Versé. Voici la planche à découper congelée. On va couper tout petit. On va poser des fines lignes. Regardez. On va couper les bouts. On va aller doucement. Il faut que vous soyez bien froid. Vous pouvez répéter. Maintenant, on va faire une feuille. Une feuille de guitare. C'est pas comme ça. Tu peux travailler avec du chocolat facilement. Voilà le feuille. On met au congélateur chaque minute.